Hello les petits amis collectionneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Et aujourd'hui on va s'intéresser donc sur une figurine. C'est pas très commun sur la chaîne, en fait je vais vous présenter une figurine des éditions Hachette Collection qu'on peut trouver dans nos marchands de journaux. C'est une collection que Hachette donc nous propose pour cette année, elle vient de juste de commencer, on est avec le numéro 1 et il s'agit donc de Donald. Alors j'ai trouvé ça comme ça par hasard dans mon marchand de journaux, ils ont même pas fait encore la pub je crois, j'ai pas vu encore du moins à la télé. Et du coup j'ai trouvé plutôt bien réalisé pour 1,99€. Ce que Hachette nous propose, ce sont en fait des figurines de Disney, on va dire traditionnelles. Comme vous pouvez voir à l'arrière, donc au niveau de la collection, nous avons donc beaucoup de personnages qui ont été un petit peu oubliés aujourd'hui. D'ailleurs, hein, genre voilà ces personnages là, moi personnellement je les connaissais pas vraiment, hein. Celui-ci et attendez, est-ce que je vais le voir? Et celui-ci là par exemple, voilà, je n'avais pas vraiment souvenir. Donc voilà, il nous propose quand même assez de personnages dans cette collection. Donc en sachant que le numéro 2 sera Mickey à 6,99€. Et je pense que ça s'arrêtera. Bon, ils ne le disent pas, mais je pense que oui, ça va monter après vers les 12€ après. À partir du numéro 3, pardon. Donc voilà, bon après voilà, donc c'est vraiment des trucs de presse, un tabac presse. Donc vous voyez, c'est pas niveau esthétique, c'est pas voilà, on n'est pas sur du level au niveau d'esthétique. Alors le magazine, enfin le petit fascicule qu'ils nous fournissent avec, donc voilà, c'est toujours sympathique, mais bon voilà, ça apporte pas réellement grand chose au niveau des connaissances pour ceux qui sont vraiment calés en Disney, on va dire. Donc voilà, ils nous montrent quelques petites voilà, illustrations, comment ils ont fait cette figurine, qui l'a créé, enfin qui l'a créé, je veux dire qui l'a dessiné plutôt, voilà. Les croquis. Donc voilà, il n'y a rien de très intéressant je trouve. Parce que c'est des choses qu'on sait déjà. Enfin, après, pour ceux qui ne connaissent pas trop l'univers Disney, mais bon, quand même, voilà. Ensuite, donc là, vous avez des bons de commande. Donc voilà, si vous voulez après vous abonner et recevoir ces figurines avec des offres plutôt assez intéressantes, notamment celle-ci, la première offre hein, qui vous propose 6,99€ avec Mickey, Dingo et en cadeau le Picsou dans son Tador. Avec votre premier envoi. Et le classeur si vous prenez sous 10 jours. Donc voilà, oui c'est plutôt pas mal au niveau des offres pour cette première offre, parce qu'après ça sera prix unitaire de la figure. Ensuite, ils nous fournissent un beau petit poster d'un arbre généalogique de la famille de Donald. Voilà, donc c'est assez grand, assez imposant. Donc je pense qu'ils vont faire ça à tous les personnages, après ce sera pour Mickey, ça sera pour Minnie, tout ça. Mais voilà, regardez, je trouve que c'est plutôt sympathique. Hein, c'est original. Si on a de la place, bon moi ça va pas trop aller avec mes Star Wars hein, mais je trouve que c'est original de leur part. Voilà, on a toute la famille de Donald. C'est plutôt sympa. C'est une bonne idée de leur part. Ensuite, eh bien, donc là on a fini donc avec les fascicules. Donc maintenant on va passer à cette figurine. Donc j'ouvre. Bon, j'ai pas pour habitude de faire ce genre de collection, hein. En vrai, bon, quand j'étais gamin, oui, un petit peu, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien faire mes petits Tintins, tout ça, de Hachette Collection, je crois d'ailleurs, mais j'ai tout vendu depuis. C'était une chouette collection d'ailleurs, je sais même pas si, bon, je pense que ça doit être terminé quand même depuis. Alors, j'ouvre. Bon alors, que dire? Je regarde, j'examine la pièce. Bon, alors honnêtement pour le prix 1,99€, bon il n'y a rien à dire. Hein. Là franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Après au niveau du paint, ça dégueule un petit peu parfois par-ci par-là, voilà. Mais honnêtement, voilà, il n'y en a que pour 2€. Et même quand la figurine passe sur les autres numéros, ils passeront à peu près 12€, je crois. Je pense que ça sera quand même correct au niveau du prix. Parce que voilà, hein, comme je vous ai dit, on n'est pas sur du Sideshow ou du Prime One encore. Hein, voilà, donc voilà. Mais vu qu'on est un peu avec des yeux, pas d'experts, mais on a des yeux de vraiment de collectionneurs minutieux. Vous voyez, style de quand on se procure des pièces comme ça, par exemple. Voilà,
des sideshows à je sais pas combien, 500 euros la statue. Donc on a l'habitude de voir de la qualité et du bon paint. Voilà, c'est pas possible hein, le niveau de ces de comparaître ces deux marques. Mais moi je trouve que c'est quand même, vous pouvez comme vous le voir, une très 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 belle réalisation de Hachette Collection pour quand même 2 euros. Et même après pour les autres pièces qui passeront à 12 euros, je trouve que ce sera quand même une chouette figurine si il travaille, si le paint est aussi bien respecté pour les autres personnages. Je trouve que c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. Hein. C'est vraiment assez qualitatif quand même. Voilà, vous avez du genre de manque de peinture ici, voilà. Après c'est pas méchant, hein, c'est vraiment parce que voilà, c'est vraiment pour chipoter un petit peu. Hein. Mais voilà, au niveau du prix, moi je trouve que on s'y retrouve quand même. C'est pas mal. Hein. Puis cette pose est plutôt originale. Hein. Très 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 originale, moi j'aime bien. Hein. C'est vraiment une très 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 chouette figurine. En dessous, bah, y a rien de marqué à part Disney. Ouais, je sais pas si vous allez voir, voilà. Mais moi je trouve que ouais, c'est très joli pour mettre dans ma collection de Disney que vous ne connaissez pas, hein, mais vous inquiétez pas, vous allez la découvrir à travers ma rubrique archive. Mais voilà, donc ouais, c'est bien s'intégrer dans ma petite collection Enesco et ouais, Enesco Tradition. Je trouve que ouais, il y a quelque chose à faire avec ces figurines. Je vous fais un petit shooting photo et on se retrouve après pour la conclusion, les amis. A tout de suite. Donc voilà les amis, pour cette petite figurine de Donald, donc voilà, bon je vous la conseille à 100% si vous êtes collectionneur de Disney ou si vous aimez un peu l'univers de Disney ou si vous voulez connaître, ou si vous voulez commencer une collection Disney, ben c'est une petite collection bien sympathique pour commencer, surtout au niveau des prix, on est plutôt assez, voilà, plutôt assez correct et avec des figurines et du paint plutôt qualitatif. Donc si vous voulez vous procurer ces figurines, vous les trouvez dans vos marchands de journaux, ça vient de sortir, je pense que ça a dû sortir mercredi, il n'y a pas eu encore de publicité, enfin du moins je ne l'ai pas encore vu, voilà, donc voilà, après le premier numéro, vous inquiétez pas, en général il y a beaucoup de numéros disponibles pour les premiers tirages, parce qu'ils savent très bien que ça part assez vite par rapport au prix. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like sur la vidéo et de mettre un commentaire. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle review et que la force du collectionneur soit bien sûr avec vous.